Enlève pas tes lunettes. Non. Culé. Guillaume qui sera dans le quintet. Bravo Mikas. Non, tu l'as refait là. Non, tu la refais pas. Non, on la refait pas. Non. Ça va être parti sur Facebook ça. Ça c'est pas sur Facebook. Dans le quintet vendredi soir qui sera. Bel engagement. L'entraîneur Michael Barret. Ah, refais-la, refais-la. Du bureau du commissaire, s'il vous plaît. L'entraîneur Michael Barret. T'es pas bien. Là, Michael. Bureau. Bravo. Hein. Prochain gagnant. Oui, mais montez pas avec moi. Tu montes plus. Non. Je laisse à toi. On l'est. Spéciale dédicace à la tâleuse de grandeur. Quentin, il a cru que t'as la mouille. Il a vu autour de la mer. Quoi, tu veux? Pose-moi des questions, tu veux que je te réponde à quoi? T'as gagné au club, ma guerre. 3009, il avait. On ne m'avait pas laissé faire devant et il avait bien redémarré. Et... Tu veux que je te raconte, hein? Elle prend la flotte, sa machine, là. Non. Non, tu fais une souris, moi, il fait ça. Non, mais regarde le truc, il a enculé une souris. Et... Vas-y. Faut la mettre sur un ticket de quintet quand même, elle peut être 4-5. Ah oui. Il a vraiment été impressionnant ce soir. Ouais, plus que le driver, oui. Davis Caria, c'est pareil, il y a la. On un peu de chaud là. Il pousse, il t'a vu, hein? Et avec une tête de vide comme ça, comment veux-tu que je rigole pas? On parle de quoi? Hakim. Tu finis quatrième, en fin de compte, t'es quatrième et puis t'es gagnant. Qu'est-ce que tu fais, Francky? T'appelles ta femme? Ça y est, rien à voir. Elle t'a à faire des courses, c'est pas de problème. Ah ouais, les branches? Ouais, c'est emmerdant ça, les branches. Pour nous, on n'a aucun problème avec personne. Pour nous, on est juste ici, on travaille sur les courses. Et nous, on est un peu les clowns du cirque. On est un peu. C'est pour le spectacle qu'on est ici. Et ça rapporte aussi de l'argent pour les organisateurs. Oui, en fait. Ouais. Bonjour, service du midi. C'est quoi ça? Non, non, attends, franchement, je me casse pas le cul pour sa diététique pour que tu lui ramènes tes merdes. Tiens, ça, tu le ramènes au resto du cœur. Concombre, fromage. Et... T'es gentil, tu le ramènes au resto du cœur, t'envoies sa peluche pour moi. Allez, au revoir, merci. Viens, moi. Je vais regarder sous les jupes des filles. Est-ce que tu vas revenir régulièrement au stand parce qu'il y a des courses tous les lundis et vendredis? C'est pas beau ça, Mathieu? Merci. Bonne journée. Bonne journée. Salut, môme. Ouais, mais c'est, tu crois que Yon, c'est. Tu crois que c'est vraiment bon pour moi tout ça? T'as vu tout ce qu'il y a? Pour ta diététique? Ouais, tu ouais. Ou quoi? Ça fait 40 ans que je suis au régime, Mathieu. Je sais ce que c'est au niveau diététique, je suis imbattable. Je te dis que si tu bouffes tout ça, tu vas redevenir un beau et grand jeune homme comme moi. Après, ils vont pas plus sérieux. Jos Verbeek qui gagne le prix Jos Verbeek. C'était préparé. Comment c'était préparé? Mathieu, ça fait 4 ans que je vends des chevaux, même des chevaux qui ont 3 jambes, j'ai toujours réussi à très bien les vendre. Avec 3 jambes, on peut courir. Ah, d'accord. Ce qui m'inquiète le plus, c'est pas tellement ça, c'est que le jour quand je suis passé chez le chef, tu vois là, au niveau de l'encolure, là, dans le canon, elle avait une grosseur dans le canon, là, une espèce de truc un peu banané. Ouais, ouais, je vois. C'était quoi, ça? Ouais. Ah, le canon, là, ouais. Le canon, ouais, c'est quoi? C'est la rotule qui est en dessous le canon, là? Ouais, ouais, bah, c'est, oui, c'est ça, ouais, ça.